Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut exporter les notes des apprenants à partir de la plateforme Moodle. Au niveau de la partie administration, au niveau du bloc administration, vous avez le lien qui concerne la configuration du note ou bien du carnet des notes. Donc, si je clique sur ce lien, je vais afficher la configuration ou bien une configuration possible du carnet de notes. Au niveau de cette configuration, il y a plusieurs paramétrages à faire. Je vais me limiter simplement à quelques paramétrages simples, sans parler évidemment du fait d'ajouter des catégories ou bien d'ajouter des éléments d'évaluation. Je peux aller ici au niveau du champ là où c'est écrit configuration du carnet des notes. Donc, je vais cliquer pour afficher donc le rapport de l'évaluateur. Donc, je vais réduire un petit peu. Donc, je vais cliquer pour afficher le rapport de l'évaluateur. Donc, au niveau de ce rapport de l'évaluateur, j'aurai la possibilité d'afficher la totalité des notes qui sont ceux des étudiants. J'aurai la possibilité évidemment de les voir groupe par groupe ou bien tous les participants à la fois. On a aussi la possibilité d'afficher l'historique d'évaluation. À ce moment-là, je peux fixer les différentes, si j'ai plusieurs fréquences d'évaluation, donc je peux les fixer ou bien je peux les filtrer en fonction de la date et en fonction des heures. On a aussi la possibilité d'afficher un rapport d'objectifs, si je fixe évidemment des objectifs au niveau du cours. On a la possibilité aussi d'afficher un rapport du participant, c'est-à-dire si j'ai à choisir un participant bien défini ou bien un groupe. Donc là, par exemple, pour le groupe deuxième année, licence en finance, je peux choisir par exemple l'étudiante ou bien l'étudiant suivant. Donc j'aurai la main de, ou bien j'aurai la possibilité de voir ses notes. Là, évidemment, il n'y a pas de notes, mais s'il y a des notes, évidemment, j'aurai la possibilité de les voir un à un. J'ai la possibilité aussi de voir tous les participants d'un groupe. Donc là, je peux les voir en totalité. Par la suite, on a aussi la possibilité d'afficher évidemment le barème et ainsi de suite. Donc tout ça, je ne vais pas le faire, mais j'aurai la possibilité par la suite de l'exposer dans d'autres vidéos. On a la possibilité d'exporter. Et là, c'est très important parce que j'ai la main d'exporter la totalité. Donc je vais avant tout changer le rapport d'évaluateur bon, pour avoir la totalité des notes. Et je vais aller vers exporter en format Excel. Donc là, au niveau de l'exportation en format Excel, vous avez à exporter vers le format Excel. Donc je choisis le groupe en question, ou bien je choisis la totalité des étudiants en fonction de mes besoins, et je vais cliquer sur télécharger. À ce moment-là, je vais faire afficher un groupe, ou bien la note du groupe concerné. Je clique pour enregistrer, et normalement, j'aurai la totalité des étudiants avec la totalité des notes en fonction évidemment de la note finale ou bien la moyenne par rapport aux différentes activités qui sont fixées au niveau de ce cours. Évidemment, au niveau de ce cours, étant donné qu'il n'y a pas de notes réellement, donc je ne vais pas trouver de notes, mais normalement, s'il y a plusieurs activités, vous allez trouver plusieurs colonnes qui sont là avec les notes des différents étudiants. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a apporté.